cavaleur. Mais rassurez-vous, vous risquez rien. Vous n'êtes pas mon genre. Nom de Dieu, j'ai vu sa poitrine, j'ai pas bien vu son cul. 90, 58 et 92. Quand je suis en forme, je peux deviner les mensurations d'une femme à 2 cm près. Bah, je vais vous installer. Cette fille rousse me plaît à cause de sa vulgarité. J'aime beaucoup la vulgarité chez une femme. C'est vivant. Enfin, maintenant, elle a rejoint la réserve des possibles. Ah, il faut absolument que je vous raconte un cauchemar épouvantable que je fais quelquefois. C'est le matin, je sors dans la rue, je suis habillé. Et il n'y a que des femmes. Ah non, il n'y a pas que des femmes, il n'y a que des hommes. Je continue, j'avance. Que des hommes. Plus une seule femme. Alors, je me réveille en sueur. Et soulagé quand même, puisque c'était qu'un rêve. Vous savez, il m'arrive souvent le soir de me balader dans le quartier et de regarder les filles aux terrasses de café à la façon d'une bonne sœur qui fait la quête dans un restaurant. Celle-là, c'est fait, celle-là, pas encore. Tiens, faudrait que je demande à celle-là. Le nez est formidable. Et la bouche, si j'étais écrivain, j'en ferais un roman. Et pareil, si je prends le métro, le train ou l'autobus, dès que je suis monté, je regarde si je trouve une ou plusieurs femmes possibles. Et dès que j'en ai repéré une, je suis soulagé. Alors s'il y en a plusieurs, je les examine, je fais un classement. Évidemment, je leur fais rien. Je leur fais même pas de l'œil. Mais je sais qu'elles sont là. C'est que, comme ça, si nous avons un accident, si le métro reste bloqué toute une nuit entre deux stations, eh bien, tout sera possible. Est-ce que je vous choque? Non, non, pas du tout, ça m'intéresse. Continuez. Eh bien, même si je vous choque, faut pas trop bouger. Moi, par contre, ça m'aide de parler. Vous savez, il m'arrive souvent de descendre sur le quai et de changer de wagon parce qu'il n'y a personne d'intéressant dans le mien. Pour échapper à cette impression d'étouffement, d'asphyxie. Et ce que je déteste, alors, c'est le contact des hommes. Si un homme s'assoit à côté de moi, change de place. Bon, on va changer de position. Prenez la jambe droite. Non, pas croisée. À côté de l'autre. Là. Là. Deux mains. Bon, j'ai essayé de tenir. Hein. Tout de même, je dois dire que si je rencontre trop de belles filles dans un endroit ou dans la même journée, eh ben, ça a quelque chose de démoralisant. Comprenez? On n'arrivera jamais au bout. Ça vous le vertige. Quelquefois dans la rue, il y a devant moi une belle fille qui marche les cheveux au vent. Les battements de mon cœur s'accélèrent. Je presse le pas pour arriver à sa hauteur. Je la regarde. Elle est moche. Eh ben, je vous assure, je suis soulagé. Pour ça rassurant. C'est inouï. Je vais vous montrer quelque chose. Détendez-vous, c'est assez pour aujourd'hui.
une chambre pour deux personnes. Non, chérie, prenons une suite. Avec une terrasse, si possible. Nous serons mieux. Regarde, Jean. C'est magnifique. Ah, je suis heureuse. Nous disons que tu rentres en poussée depuis ce matin, monsieur Tard. Je crois qu'il est dans le couloir. Votre cousine vous attend également. Ma cousine? Elle n'a vraiment aucune raison de venir au bureau? Elle a dit que quelque chose. Tard. Oh, bonjour, monsieur. Eh bien, j'étais en train de préparer une surprise d'anniversaire. Si, en cabinet des parrains. Eh bien, voyez-vous, n'est-ce pas, c'est un gâteau. C'est pour l'anniversaire d'une de mes voisines. J'ai pensé que c'était dépassé de laisser au bureau. Vous êtes de mon avis, n'est-ce pas? Yes. Si j'avais connu plutôt l'existence de cette dame, soyez certain que je me serais fait un plaisir de l'inviter ce soir. Malheureusement, toutes les places sont louées. Je sais. J'espère que votre ami comprendra et que ça ne fera pas l'objet d'une discussion. Nous nous sommes déjà disputés ce matin et ce gâteau constitue en quelque sorte une proposition de paix de ma part. Si elle n'accepte pas de bonne grâce, car elle n'est pas digne de vous. Yes. Elle, c'est ma cousine, Hermie, mais je ne sais pas ce qu'elle fait là. Mais va-t'en. Votre cousine? Oui, de la campagne, elle vient en ville. Enfin, non, je veux dire, de la campagne, elle va à l'école de la ville. On va demander de la surveiller. Je crois plutôt que c'est vous qui voudrez surveiller. Elle est assez jeune. Oui, monsieur. Il y a temps pour tout, vous ne croyez pas, car? Oh, elle n'est jamais venue ici, je vous promets qu'elle ne reviendra pas. Vous êtes un brillant élément, l'un de nos plus brillants. Songez-y. Ne cachez pas votre avenir, car... Non. Non. Quel âge a-t-elle? Quoi, Irmi, elle doit avoir dans les 16 ans. Pas plus de 16 ans. Et encore. Compliment. Monsieur K, la jeune fille... Elle n'a rien à faire ici. Mais elle a dit... Je me moque de ce qu'elle dit, ça ne m'intéresse pas. Vous ne comprenez pas, elle n'a rien à faire ici.